Bonjour, c'est Béatrice. Lorsque la compagnie Trenitalia nous a contactés pour nous demander si cela nous intéresserait de réaliser un podcast dans un train à grande vitesse, Marie et moi avons littéralement embarqué à bord de cette idée. Nous allons convoquer des auteurs, voyageurs, et explorer la façon dont l'univers du train a inspiré leur écriture. Embarquement immédiat dans le train des voyageurs littéraires. Notre premier épisode s'intitule « Le monstre du progrès ». Quand le chemin de fer apparaît, au XIXe siècle, il suscite surtout la peur. Il est noir, lourd, il grogne, il râle, il fume, il crie. Rien ne l'arrête quand il est lancé. En 1865, le jeune poète italien Giosuè Carducci publie, à propos de cette terrifiante machine, un poème intitulé « L'hymne à Satan ». Rien que ça. Il parle d'un horrible monstre déchaîné qui scintille et qui fume comme un volcan. Un monstre qui dévore les plaines, qui se cache dans ses antres d'où il surgit en lançant son cri suraigu. Dans un autre poème, il compare le train à un hippopotame, puis à un tigre. Toute sa génération cède à la tentation de comparer la machine à un animal. À commencer par notre cher Victor Hugo. Mais avant de lui donner la parole, j'ai une question pour vous, chers voyageurs. Si le train était un animal, ce serait lequel ? Je dirais un oiseau. Une gazelle. Une tigresse. Le tigre. Un guépard. Un guépard. Une fourmi. Un grande serpentone che striscia dappertutto. Victor Hugo, lui, compare le train à un cheval. Écoutez un extrait de la lettre qu'il écrit à Adèle, sa femme, le 22 août 1837. Je suis réconciliée avec le chemin de fer. C'est décidément très beau. Il faut beaucoup d'efforts pour ne pas se figurer que le cheval de fer est une bête véritable. On l'entend souffler au repos, se lamenter au départ, japper en route. Il sue, il tremble, il siffle, il hennit, il se ralentit, il s'emporte. Il jette tout le long de la route une fiente de charbons ardents et une urine d'eau bouillante. D'énormes raquettes d'étincelles jaillissent à tout moment de ses roues ou de ses pieds, comme tu voudras. Et son haleine s'en va sur vos têtes en beaux nuages de fumée blanche qui se déchirent aux arbres de la route. Après mon retour, il était nuit. Notre remorqueur a passé près de moi dans l'ombre, se rendant à son écurie. L'illusion était complète. On l'entendait gémir dans son tourbillon de flammes et de fumée, comme un cheval harassé. Victor Hugo est émerveillé, oui. Mais il regrette que les hommes de son temps n'aient pas laissé davantage la magie du progrès jouer sur leur imagination. Pourquoi les ingénieurs n'ont-ils pas donné à la machine une forme plus évocatoire ? Dans la suite de sa lettre, Victor Hugo rêve d'un train imaginé par les hommes de la Renaissance. Écoutez. Il y a 400 ans, si ceux qui ont inventé la poudre avaient inventé la vapeur, ils en étaient bien capables, le cheval de fer eût été autrement façonné. De cette chaudière, ils eussent fait un ventre écaillé et monstrueux, une carapace énorme. De la cheminée, une corne fumante ou un long cou portant une gueule pleine de braise.
Ils eussent caché les roues sous d'immenses nageoires ou sous de grandes ailes tombantes. Les wagons eussent eu aussi cent formes fantastiques, et le soir, on eût vu passer près des villes tantôt une colossale gargouille aux ailes déployées, tantôt un dragon vomissant le feu, tantôt un éléphant, la trompe haute, haletant et rugissant. Effaré, ardent, fumant, formidable, traînant après eux comme des proies cent autres monstres enchaînés et traversant les plaines avec la vitesse, le bruit et la figure de la foudre. C'eût été grand. Il est vrai qu'il ne faut pas voir le cheval de fer. Si on le voit, toute la poésie s'en va. À l'entendre, c'est un monstre. À le voir, ce n'est qu'une machine. Une machine, oui, simple machine pour certains. Les politiques de ce temps-là sont partagées entre réticence et enthousiasme. En 1836, Adolphe Thiers considère le train à vapeur comme un joujou. « Ça ne supprimera pas la diligence », disait-il. Et lors du premier débat sur les chemins de fer à la Chambre des députés en Angleterre, écoutez ce qui se disait. Attention, interdiction de rire. Les campagnes vont devenir inhabitables. Toutes les maisons situées dans le voisinage des chemins de fer sont destinées à être incendiées par les charbons enflammés qui sortent de la locomotive. Le bruit empêchera les troupeaux de paître, les vaches de donner leur lait et les poules de pondre leurs œufs. La fumée empoisonnera tous les oiseaux. Je vous assure qu'aucune femme enceinte ne pourra voir une locomotive sans qu'il lui arrive malheur. Et supposez, messieurs, qu'une vache se trouve sur la voie au passage d'un train. Ce sera terrible. Ce n'est pas tout. Les plus affolés sont les scientifiques de l'époque. En 1804, la toute première locomotive à vapeur atteint une vitesse de 16 km/h. Et les rails éclatent sous son poids. La technique se perfectionne, la vitesse augmente à une allure vertigineuse et en 1836, la locomotive atteint les 50 km/h. On se doute bien qu'elle ne s'arrêtera pas là. Comment tous les organes parviendront-ils à rester rassemblés à des vitesses pareilles? Les médecins hygiénistes sont inquiets. Ils énumèrent les conséquences sanitaires des voyages en chemin de fer. L'inflammation de la rétine, d'abord, qui ferait baisser la vue à cause de la succession trop rapide des images. Le train provoquerait également des troubles nerveux. Les trépidations de la machine causeraient des troubles psychologiques et déclencheraient la danse de Saint-Guy. Dans un autre domaine, les manuels d'obstétrique multiplient les mises en garde pour les femmes enceintes. Dans son ouvrage sorti en 2012, intitulé « L'Apocalypse joyeuse », Jean-Baptiste Fressoz dresse la liste de toutes ces informations alarmistes qui ont tenté de freiner le progrès technique, et en particulier ferroviaire. On appellerait cela des fake news aujourd'hui. Eh bien, en réponse aux réticences d'Adolphe Thiers et de toute cette troupe de rabat-joie pseudo-scientifiques, à la Chambre des représentants, en France, c'est M. Alphonse de Lamartine qui, le 11 mai 1848, prononce son célèbre discours défendant les chemins de fer avec cette phrase de visionnaire. Le train, c'est la conquête du monde, des distances, des espaces, du temps. Cela multiplie à l'infini les forces humaines.
C'est l'inconnu, mais l'inconnu certain. Il paraît que l'on n'arrête pas le progrès. Les voies de chemin de fer se multiplient et les écrivains suivent le mouvement. En 1890, Émile Zola situe un roman entier de la saga des Rougon-Macquart au cœur du chemin de fer. La bête humaine, un roman noir où Zola semble expérimenter tous les ressorts dramatiques qu'un cadre comme le train peut offrir à un auteur. Un lieu clos, où se nouent des intrigues, où se consomme l'amour, comme dans un écrin, où les meurtres restent longtemps des mystères. Le train est aussi le lieu de tous les dangers techniques. La moindre erreur d'aiguillage, le moindre obstacle peuvent s'avérer fatales. Zola joue avec tout cela, et bien des auteurs lui emboîteront le pas. Dans La bête humaine, la locomotive est personnifiée. Elle porte le nom d'une femme. La Lison. On dit que, pour aider Zola à décrire une scène, une compagnie de chemin de fer organisa pour lui un déraillement. Nul ne sait, si ce n'est qu'une légende. Le fait est que Zola était obsédé par l'idée de restituer la réalité. Voulez-vous que je vous lise un extrait de la scène du déraillement au chapitre 10 ? Voici le contexte. Flore, folle de jalousie, cherche le moyen d'assassiner Jacques et son amante, qui sont à bord du train qui revient du Havre. Elle décide de placer deux énormes rochers sur les rails, juste avant son passage. Écoutez. La Lison, éventrée, culbute à gauche, par-dessus le fardier, tandis que les pierres, fendues, volaient en éclats comme sous un coup de mine, et que les cinq chevaux, quatre, roulés, traînés, étaient tués net. La pauvre Lison n'en avait plus que pour quelques minutes. Elle se refroidissait. Les braises de son foyer tombaient en cendres. Son souffle, qui s'était échappé si violemment de ses flancs ouverts, s'achevait en une petite plainte d'enfant qui pleure. Souillée de terre et de bave, elle, toujours si luisante, vautrée sur le dos, dans une mare noire de charbon. Elle avait la fin tragique d'une bête de luxe qu'un accident foudroie en pleine rue. Un instant, on avait pu voir par ses entrailles crevées fonctionner ses organes, les pistons battre comme deux cœurs jumeaux, la vapeur circuler dans les tiroirs comme le sang dans ses veines. Mais, pareil à des bras convulsifs, les bielles n'avaient plus que des tressaillements, les révoltes dernières de la vie. Et son âme s'en allait avec la force qui la faisait vivante. Cette haleine immense dont elle ne parvenait pas à se vider toute. La géante éventrée s'apaisa encore, s'endormit peu à peu d'un sommeil très doux, finit par se taire. Elle était morte. Les créations de l'homme ont-elles une âme? Ou plutôt, n'y a-t-il dans les machines que l'humanité que nous y projetons? Une illusion? À l'instar de l'intelligence artificielle, l'intelligence technique ou le génie mécanique ne sont-ils pas proprement humains? Trop humains, dirait le philosophe. Et oui, je n'ai pas résisté au plaisir d'évoquer Nietzsche. Saviez-vous que c'est suite à son voyage en train vers l'Italie, en 1876, que sa vie et sa pensée sont entièrement transformées? Bon,
c'est le soleil, la lumière du sud, qui vont le décider à déménager. Mais n'y aurait-il pas un lien entre la vision fragmentée du regard que l'on découvre depuis la fenêtre d'un train et le fait qu'il se mette à écrire par aphorisme ? Ces textes brefs, ces impressions sur lesquelles on ne s'attarde pas et qui, juxtaposées, mises bout à bout, forment ensemble une pensée, dessinent un paysage. L'observation du paysage depuis l'intérieur d'un train a littéralement bouleversé la conception du monde. Vous trouvez que j'exagère ? Sans doute un peu, mais il est vrai qu'envisager le monde depuis un cadre en mouvement, ça change la donne. Qui plus est, lorsque ce nouveau référentiel prend de la vitesse, ça change tout. Écoutez la minutieuse analyse perceptive que fait Victor Hugo dans sa lettre à Adèle. Les fleurs du bord du chemin ne sont plus des fleurs. Ce sont des taches, ou plutôt des raies, rouges ou blanches. Plus de points, tout devient raies. Avez-vous remarqué cela en collant votre nez contre la vitre du train? La partie nette du paysage se trouve dans le lointain, et tout ce qui est proche est flou, déformé, impossible à saisir du regard. C'est tout le contraire des principes de l'optique. Oubliez la perspective, oubliez tout ce que vous connaissiez avant. Le train bouscule ce qui semblait clair comme une évidence, c'est-à-dire que l'on voit mieux les détails lorsqu'on s'en approche. C'est dérangeant. Voici venir une sacrée remise en question. C'est à peu près au moment où Victor Hugo écrit à sa femme que le philosophe Edmund Husserl, de l'autre côté de l'Europe, s'aperçoit que l'on vit dans un monde que l'on a oublié de regarder. Un monde que l'on dissèque, que la science explique, dont on explore la théorie, la mécanique, mais que l'on ne regarde plus vraiment. Ainsi germe le fameux « retour aux choses mêmes », la nouvelle observation, la simple description de ce qui vient à nous, sans forcément l'agrémenter de ce que l'on sait ou ce que l'on pense. Ce regard sur le monde, cette observation des choses telles qu'elles sont, eh bien, c'est précisément ce que fait Victor Hugo en décrivant la fleur sous forme d'une raie, telle qu'elle apparaît dans l'œil. Et c'est justement ce que l'on appelle un regard phénoménologique. La voilà, la grande révolution. On en parle dans notre prochaine émission, en compagnie d'écrivains, mais aussi de scientifiques, de ces étranges penseurs que l'on appelle philosophes. Après le monstre du progrès, notre deuxième épisode s'intitule « L'ivresse de la vitesse ». Retrouvez les références, les liens et toute une documentation autour des thèmes abordés sur notre site Tout avec presque rien. Nous arrivons à Vodan. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Trenitalia. Nous sommes impatients de vous accueillir à nouveau à bord de nos trains. Voyageurs littéraires, le podcast qui met à l'honneur les auteurs voyageurs, mais aussi les lecteurs voyageurs. À bientôt. Pour ne rien rater de nos émissions, abonnez-vous.